Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau stream et ce nouveau cast, bien évidemment, avec un nouveau match de la Justice League ce soir. Belle soirée. Et je suis accompagné directement, voilà, de Lizen. Du coup, bonsoir Bonsoir. Lizen. Comment Bonsoir. vas-tu? Écoute, ça va très bien. Encore une fois, ravi de participer à ce petit commentary de ce petit match. Alors, est-ce que Mouli, tu peux nous rappeler eh bien, quelles sont les deux équipes qui s'affrontent sur ce Bien sûr, bien match? sûr, bien sûr. Alors ce soir, on est sur un match de la division numéro 2, poule numéro 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, poule numéro 2, pardon, j'ai eu un petit temps de brain. Du coup, Petit. c'est ça. Du coup, donc ce soir, on a les Los Pachos, du coup, qui commenceront du coup à gauche ce soir. Et du coup, à droite, on aura les Canadiennes Beer. J'en perds mon accent, voilà. Donc, un match qui va être plutôt intéressant pour un élo plutôt moyen, on va dire. Ça tournera autour du plat principalement ce soir. Donc, on espère avoir des jolis fights et des beaux combos, bien évidemment, mon cher Lizen. Bien oui, évidemment, et on espère ne pas avoir trop de Reinhard Diva et autres combos discutables. Non, mais impatient en tout cas de voir comment se débrouillent ces équipes. Il me semble que moi personnellement, j'ai casté aucune de ces deux équipes. Peut-être les Los Pachos, je sais plus. Si, il me semble qu'on avait fait un cast des Los Pachos. Oui. Et c'était plutôt bien débrouillé. Donc ouais, Effectivement. impatient de voir ce qui va se passer ce soir. Donc on est sur format quad map. Est-ce que donc on va commencer sur Busan, c'est ça, c'est sûr, c'est validé. Du coup, oui, ça a l'air d'être validé, sauf qu'il y a un joueur qui est parti redémarrer sa co. Is ok, on va passer en stream Ikea. Donc on part sur Busan de base, donc eh bien évidemment on commence toujours par la KOTH, hein. La map de contrôle. Busan qui est une map qui est très intéressante, qui va vraiment nous permettre de voir un petit peu eh ben, qu'est-ce que les équipes vont être plus prompts à maîtriser et à jouer. Est-ce que ça va être plutôt de la GOAT? Est-ce que ça va être plutôt des compos à multiples DPS ou des compos peut-être plus classiques, des compos plus de type 2-2-2? Parce que c'est vrai que les maps de Busan, c'est des maps. Les trois maps de Busan, c'est des maps assez permissives au niveau des stratégies. On pense à la base mecha qui est très prompt à la GOAT, parfois à la GOAT's Mei, mais sur laquelle on voit beaucoup de hauteurs très intéressantes. Donc on peut imaginer aussi des compos dive, des compos multi-DPS. Il y a de très belles lignes pour Widow par exemple. Il y a Centreville qui est pareil, qui est très axé sur la multi-DPS, mais on peut y voir de la GOAT's bien paquée sur le point. Et puis eh ben Temple qui elle va être très prompt à des compos poke, à des compos bah, pareil, à multiples DPS, hein. C'est vrai que vraiment Busan c'est une map aux stratégies très variées sur laquelle on va immédiatement partir. Et la première de ces mini-maps sera eh bien Centre-Ville. Et oui, effectivement, mon cher Lizen, un centre-ville, du coup, une map vraiment magnifique, en tout cas visuellement parlant, très jolie, moi. Voilà. Écoute, je suis d'accord. Très colorée. Je suis d'accord, hein, Busan qui est vraiment une. Enfin, qui est en tout cas la dernière map KOTH sortie et qui a un aspect visuel des plus intéressants. Donc on va voir un petit peu ce que sortent les équipes. On sait que cette map c'est très propice à de la Widow avec ses petits balcons sur les hauteurs là qui offrent des lignes de vue sur le point, sur le main, un petit peu partout. Donc vraiment une map sur laquelle les Widow dominent. On va pouvoir voir de la Pharah, on va pouvoir voir pas mal de choses. On va voir un petit peu ce que les équipes vont nous proposer. Et oui, on va voir du coup, on va percevoir déjà ce qui va être choisi. Et je vois que du coup, on a choisi de la dive du côté des Los Pachos, la fameuse dive avec une HT1 Genji, tout ça supporté par une Ana, une merci. Tandis que du côté des Canadian Beer, mon cher Lizen, qu'est-ce qu'on a donc du coup? Eh bien oui, du côté des Canadian Beer, donc l'équipe en rouge, nous avons là aussi une dive, mais cette fois-ci une dive un peu plus eh bien, bordélique, avec un Amon qui va venir mettre un petit peu le dawa dans l'équipe ennemie, avec la Widowmaker qui va pouvoir prendre des lignes très intéressantes, et un duo de support très fragile, Ana et Zenyatta. Et tout de suite le premier pick qui est pris sur Adward par Awu qui a fait un magnifique reflect évidemment. Premier pick très intéressant qui va enlever beaucoup de pression. Mais a priori les Los Pachos
Steve n'est pas trop engagé là-dessus. Il reste un petit peu timide sur l'engagement. Il garde un peu la zone et Minlis qui va se faire immédiatement récupérer. Edward qui va revenir du spawn et prendre Zelos. On a l'équipe en rouge, les Canada Minlis qui va commencer à prendre le point. Et on réplique encore avec un kill de Marisu sur Charmy. Cependant, on va valider pour la première fois la cape du point. Et oui, hein, comme le dit Dizaine, du coup, le point était capé. Du coup, on part ce reset là du côté des Los Pachos. Est-ce qu'on va changer de compo? Non, on reste sur la même. Hein. Du coup, on continue à faire grimper les ultis. C'est plutôt une bonne chose quand même. Et du coup, ça y en est reparti avec la fameuse dive du côté de Los Pachos. Tandis que la dive un petit peu bordélique, comme dirait Lizen, du côté des Canadian Beer. Du coup, tiens pour le moment, tiens bon le poids en tout cas. Parce qu'on arrive proche des 30% au niveau du cap de points. Et du coup, attention au purple proche du point. Wachami hein, qui était vraiment totalement free, le petit Zenyatta qui se baladait au milieu du main qui a pu prendre gratuitement ce Winston tranquillement. Cependant Marisu va récupérer deux kills sur le Genji et il me semble la Widow. Cependant on va décider quand même de se regrouper. On commence à avoir des ultis, on a notamment un Bob, on a un Nano Boost et on a une Valkyrie. De l'autre côté nous avons les 6 ultimates. Il va peut-être falloir commencer à utiliser des ultis. D'ailleurs Aou va récupérer Edward. Le matchup de Widow lui est favorable pour l'instant. Mais on va commencer à utiliser les ultimates du côté de Linnok, le main tank des Los Pachos. Des Canadiennes bien, yes. Et oui, oui. Pour l'instant le statu quo est maintenu. On temporise du côté des Los Pachos. On a 4 ults encore hein, du côté des Canadian Beer contre 3 du côté des Los Pachos. Oh là là, attention ce duel là entre Aou et Edward qui a été remporté par Aou. Tandis qu'une Blade se fait entendre du côté de Gabin et des Canadian Beer. Immédiatement slip par la Anna de Zelos, très belle opération, ce qui va peut-être permettre. Oh, et Kirito qui va lancer une bombe magnifique qui permet de récupérer le kill sur Gabin et Lingnox. Même si Ezer Dragon va tenter de temporiser avec sa bombe à lui, le point sera récupéré par les Los Pachos. Après, 99% pour les Canadiens. Et oui, on était dans l'overtime hein, quand ce point a été récupéré là par les Los Pachos. Une démarche très courageuse de la part de Los Pachos du coup d'avoir récupéré ce point dans l'overtime. On peut entendre un Hamon de Sien qui est venu récupérer Aou et sa Widow. Aou qui n'a pas voilà. Du tout été sauvé, protégé ni sauvé par sa team. Ils l'ont abandonné à son sort. Ce qui va peut-être coûter très cher aux Canadiens Beer. Non, aux Los Pachos et avantager largement les Canadiens Beer. Je vais y arriver, hein. Ça met toujours un peu de temps. Alors que Marisu va récupérer le Reaper de Edward, mais Lignox va faire 2 kills avec son champ de mine. Marisu qui continue sa folie meurtrière en récupérant le Genji, mais se fait immédiatement récupérer par Charmy. Aou qui va cependant prendre le meilleur sur le petit Zenyatta. On va se battre sur le point pour l'équipe en bleu, même si on est toujours présent chez les rouges, les Canadian Bears qui se battent comme des diables pour essayer de sauver ce point. Mais Aou est totalement free sur cette hauteur, va récupérer le Reaper. Même si Zelos va se faire éjecter par Lingnox, normalement on devrait être capable de récupérer ce point pour l'équipe en bleu. La reste qui passe. Tandis que Lingnox essaye en vain de récupérer un kill, mais il va simplement lui-même se faire récupérer. Et on va récupérer ce point. Cependant, belle opération pour les Canadiens Bears. On a un petit peu empêché des pourcentages de se générer. Et ouais, hein, du coup, comme l'a dit Lizen, du coup, il y a des pourcentages qui n'ont pas pu être générés là du côté. Des Los Pachos du coup, puisque les Canadian Beer ont vraiment bien tenu ce point à leur avantage, mais jusqu'à ce que les mates puissent se regrouper du côté des Los Pachos pour pouvoir vraiment faire un push et un fight vraiment propre pour récupérer ce point, en tout cas qui a été récupéré pour le coup. Du coup on est un petit peu là du côté des Canadian Beer, puisque du coup on a plus le point, la pourcentage continue d'augmenter. On a un Linnox là qui arrive avec son Hamon qui est venu déposer son champ de mine là sur le point, et on a un Mecha qui est lancé. Contre le pilier, ouais. Hein, contre le pilier central. Cependant, il y a déjà 2 kills de fait pour les bleus. Même si le récupérer Logan, on va avoir un reste qui va immédiatement passer. Et tous les Canadian Bears vont tomber un par un. On va essayer de revenir. C'est la crise. On va tenter une Blade. Va-t-elle être salvatrice? On est en 1 contre 6.
Et Lekfa ne pourra pas être tenté pour Gabin qui a cependant tout tenté. Un mecha qui est lancé au milieu du point pour essayer de freiner l'avancée des rouges. Ao qui va encore faire deux kills incroyables. Ce sniper, on ne l'arrête plus. Et on va pouvoir récupérer le point pour les... Eh bien, Los Pachos. Et oui, un point qui a été récupéré par les Los Pachos, non sans mal, hein, puisque du coup, ça a été un petit peu compliqué, hein, ces débuts de fight pour les Los Pachos, qui a eu du mal à récupérer ce point. On est monté quand même à 99%, il me semble, hein, jusqu'à ce que les Los Pachos puissent récupérer un bon pourcentage de ce point. Il y a eu une petite reprise légère par les petits canets d'Anbir justement en prolongation et du coup les Spatchos ont réussi à reprendre le dessus pour atteindre les 100% de ce point vraiment propre de la part des Spatchos. C'est très dommage de la part des Canadian Bears parce que sur le dernier fight ils avaient l'avantage aux ultimates, enfin sur leur dernier fight de cap de points et ils ont quand même perdu et ce qui a vraiment permis un petit peu aux Spatchos de remonter. Ça. On va partir sur un setup plus statique de chaque côté avec du Reinhardt Chopper. Et le premier kill qui est pris pour Ao face à son vis-à-vis, le McCreed Edward. Cependant, on prend la revanche Shami qui va récupérer Marisu. Statu quo est un peu maintenu mais on se fait face du côté des deux Reinhardt de chaque équipe. On a des shields qui sont très très bas. On va tenter un petit peu de mettre de la pression. Mais et on va endormir le chopper de Kirito. La charge qui est tentée et qui va se placer sur le point. Logan qui va se faire récupérer par Sham. Mi qui est vraiment totalement free et qui met beaucoup de pression sur ce pauvre Reinhardt. Logan qui va faire un magnifique double kill. Et Ao qui va se faire terminer comme une fleur par le petit Zenyatta. Shami qui solide sur son Zenyatta. Hein. Et oui hein, il est plutôt solide, il fait grimper rapidement son ult, si on peut l'apercevoir aussi. Hein. Au niveau des ults, on est à un ult de près, un nano boost du côté des Canadian Beer. On n'a pas vraiment d'ult du côté des Los Pachos. C'est un petit peu ennuyant quand même de ne pas avoir d'ult face pour ce fight du coup. Alors que le fight s'engage à nouveau. L'anti-heal qui passe sur eh bien, la team en rouge, les Canadian Bears. Mais cependant, Ao qui va faire un triple kill incroyable. Ao qui est très très solide, qui va récupérer la tresseur avec une flèche en plein visage. Cependant, on va tout de même conserver ce point. On décide de. Ah non, si, c'est une Nichirodo qui est lancée pour essayer un petit peu de temporiser ce fight. On va reculer pour les Los Pachos, alors qu'on avait un très très gros avantage. Très étonnant hein, de ne pas avoir poursuivi l'agression. Et l'écarisseur hein, qui a été lancé là, le Rodog, effectivement. Là, du coup, on recule pas mal là du côté des Los Pachos. On va passer par le main directement. Et on va essayer de contourner un petit peu cette ligne défensive là des Canadiens. Oh le shatter. Ah ouais, magnifique shatter avec un dragon qui passe. On a un double kill là avec la mine impulsion de la tresseur et l'inox hein, qui enchaîne les kills avec un quadruple kill très solide là sur son Reinhardt avec cet enchaînement de kills et le team kill qui résonne dans nos oreilles. On voit clairement que le match-up de Reinhardt est largement à l'avantage de l'inox parce qu'il a déjà chargé deux shatters et 30% d'un tandis que Logan en est encore à son premier shatter. Donc là-dessus, on a vraiment un gros avantage du côté des Canadian Bears. On a un Ainu qui va récupérer Bolmog. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire qu'on a plus de cette grosse source de heal, de cette anti-nade si dévastatrice. Cependant, Lignox va récupérer Zelos qui s'était un petit peu trop aventuré près du Reinhardt. Mais peu à peu, les Bleus, les Los Pachos vont récupérer un à un tous les Canadian Bears. On va s'asseoir sur ce point et commencer à caper des pourcentages à 99. Est-ce qu'on va être capable de réaliser l'exploit comme lors du point précédent? Ouais, on revient un petit peu à la configuration qu'il y a eu tout à l'heure au niveau de la capture de points. On était à 99% là pour les Canadian Beer dans l'overtime et du coup le point était perdu sûrement dû à une petite fatigue, un petit relâchement de cette défense de points et à l'avantage des Los Pachos pour le coup. Et il y en a une qui vient de partir et qui n'a récupéré personne malheureusement. Ouh, Ao qui va mettre cette tête terrible sur Edward.
qui va offrir un énorme avantage puisque on perd cette grosse source de dégâts qui est le Macri. On a cependant Logan qui va se récupérer par Lignox qui a vraiment très très remonté contre ce Reinhardt. Gavin qui va prendre un double kill avec sa bombe. Cependant, Aou n'est pas là pour enfiler des perles. On va avoir peut-être cette retake tout de même puisque c'était du 1 contre 2. Oui, il ne reste plus que Shami et Edward sur le point. Est-ce qu'on aura le temps de revenir? Et non, on n'aura pas le temps. On est donc sur du 1-1 pour les équipes. Ça se bat. Et c'est beau. Et du coup, on partira du coup effectivement sur la dernière map de cette map de Népal, du coup, de Busan, pardon. J'en bégayais aussi. Et oui, la base mecha. La fameuse, hein, la fameuse base mecha, la fameuse base de Diva et de son mecha ainsi que de ses mates du coup, enfin de ses collègues, amis, je sais pas trop comment, mais voilà, voilà. Probablement un peu les deux. Mais oui, cette base mecha, hein, une map qu'on disait très propice à la Ghost pendant très très longtemps, puisqu'il y a vraiment ces couloirs très étroits que l'on peut un petit peu spawn kill. Et donc de chaque côté on va avancer avec d'un côté une triple tank avec un Hammond et de l'autre une Goat Mei avec une Ana. On va placer un petit ball des plus tricky pour essayer un petit peu de split cette team des Canadiens. On va pouvoir récupérer Ezer Dragon sur son Reinhardt. Petit avant. Et bien des Lost Pachos qui vont aussi récupérer Shami puis Edward normalement. On va être capable de nettoyer un petit peu ce fight. Cependant Lignox est un petit peu caché dans le dos de A. Alors pas vraiment hein, du coup on va partir sur une petite page Ikea du coup. alors que Lignox est évidemment une petite déco terrible désillusion. Du coup je tiens Cyric, normalement il est pas censé avoir de pause puisque leur temps de pause a été décompté sur le temps d'attente. Oui mais donc, là c'est une déco donc c'est différent. Je crois que normalement ils sont ainsi joués à 5 contre 6 normalement le temps que le joueur revienne, il me semble. Ce serait idiot. On va patienter 5 minutes et puis si dans 5 minutes il revient pas, et ben. Enfin, genre je dis 5 minutes, mais non. Dans un peu de temps il revient pas, et bien on verra ce qu'on fait. Du coup. Oui. Très étrange hein, cette composition. Ouais, moi je voudrais revenir à la compo que j'ai pu voir tout à l'heure. La reine Rodug, on a pu l'apercevoir oui, hier, notamment dans le match Brainless contre les Ebi. Et ces derniers temps, je trouve que c'est une compo qui revient assez régulièrement. Donc tu m'en diras plus tout à l'heure sur cette compo, Lizen, je pense. Si on a un deuxième instant de l'IKEA, ce sera peut-être intéressant de se poser des questions dessus. En tout cas, la première cape ira pour l'équipe des Bleus, Leos Pachos, qui s'assoit sur les premiers pourcentages avec leur Goats Mail, leur petite Snows. On prend directement les hauteurs pour essayer de mettre beaucoup de pression sur ce couloir. Et cependant, on va essayer un petit peu de sortir de ce couloir pour les Canadian Bears. Il y a la Phara de Gabin qui va poker toute cette team depuis l'extérieur pour essayer de chercher très très vite ulti. Et Logan qui va récupérer Ezer Dragon. Merci de Bolmog qui va se faire récupérer par Kirito. On va reset ce fight. Cependant, on a récupéré Kirito qui va donc perdre ses 6 précieux pourcentages de dégâts. Cependant, Gabin va récupérer Zelos là aussi. On va peut-être en pouvoir engager un fight à 5 x 6. Ce sera un gros avantage pour les Canadian Bears. Oh, attention, on a un res là qui a été fait là du côté des Canadian Bears. La Phara qui s'est fait res près des Los Pachos. C'est très dangereux. Comme prévu, hein, le fight en 5v6. On va commencer à se split du côté des Lodge Passos. Et ça arrange énormément les affaires des Canadiens. Merci, il va pouvoir passer un magnifique shatter qui va permettre à Gabin de récupérer 2 kills sur Marisu et Logan. On devrait pouvoir clean up ce fight et récupérer ce point. Cependant, Aou n'entend pas de cette oreille puisqu'il va récupérer le maquis d'Edward. Et la grave qui va être lancée pour l'équipe en bleu qui va permettre de récupérer Bolmog. Le statu quo est réel, on est en 3 contre 4. Mais la Phara de Gabin met une énorme pression sur Minilis qui va être récupérée. La Ana de Shami va elle aussi récupérer son kill. On
se bat encore sur le point, mais les bleus tiennent ce point et ils engrangent vraiment beaucoup de pourcentage. Même si Adouard va pouvoir récupérer le kill sur le Lucio, il y a la May qui va temporiser un maximum avec l'aide de Kirito sur Sazaria qui place les bonnes bubbles, même si le Reinhardt de Ezer Dragon va se faire ressusciter. On temporise toujours, on gagne des pourcentages et on est bientôt au fameux 99% qui est bien. Sont vraiment l'objectif de cette première cape. On va normalement pouvoir récupérer ce point puisque peu à peu on va faire tomber un à un les Los Pachos, même si ils continuent à revenir alors que le barrage est lancé qui va permettre de récupérer les kills sur Zelos et Logan grâce à l'intervention de Lignox. Et on va commencer à récupérer doucement ce point pour les Canadian Bears et on est à 4. Toujours à 99%, il y a une récupération de points, c'est assez ironique pour le coup. Mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Et oui, on inverse cette fois. Et oui. Puisqu'avant, c'était les Canadian Billions qui récupéraient le point en premier et proquaient les 99%. Mais cette fois-ci, ce sont les Los Pachos qui vont commencer à se battre plus violemment. Et là, les 7 graves magnifiques sur Lazaria et la Merci, la Pharah et la Merci qui vont se faire immédiatement récupérer le Blizzard qui est lancé, qui va permettre de récupérer le kill sur Ezer Dragon et Adwart. On devrait récupérer les derniers pourcentages qui manquent sur ce point et terminer avec cette map, même si le Amon de Lignox va venir temporiser au maximum. Le point est récupéré, est-ce qu'on aura le temps de venir contester, peut-être de faire quelques kills, le mur de mec qui va tenter un petit peu de zoner cette tresseur qui va pouvoir remettre les pieds sur le point. On a un shatter qui est lancé pour permettre le kill sur le Doomfist qui était revenu, la tresseur qui va toujours embêter un petit peu la backlane. On va continuer à se battre et essayer de conserver ce point. La tresseur qui va se faire récupérer par Kirito totalement chargé. Le Amon est de retour et il va tenter de stall ce point le maximum, mais il se fait geler et immobiliser. On termine ce fight sur une victoire des Los Pachos. Et oui, les Los Pachos qui ouvrent ce score général du coup 1-0 face aux Canadian Beard. Pour le coup, très belle prestation des Los Pachos. Tout à fait. Qui ont pris l'avantage sur cette manche du coup, sur cette KOTH. Et on peut apercevoir un magnifique close the game de Gabin. Qui a été pas mal épaulé par Linux quand même. Hein. Tout à fait. Bah oui, c'est vrai qu'on aurait donné à la base plutôt l'avantage aux Canadian Bears vu et bien qu'ils ont été capables de mettre vraiment les 99% en premier sur les deux maps, mais finalement c'est les Los Pachos qui, sur une dernière map très bien maîtrisée et finalement une très belle Snoots qui arrive à remporter la victoire. Et plutôt bien joué de leur part, malgré cette Pharah. De Gabin qui, il faut le dire, mettait beaucoup de pression. Alors que du coup, normalement, le perdant doit choisir la prochaine map, du coup, qui sera une 2CP, logiquement. Tout à fait. Donc, Anamora ou Volskaya. On peut revenir vite fait sur la compo dont on parlait tout à l'heure. Oui, la fameuse Rein Roduck, du coup, qui m'intrigue beaucoup. Donc, j'ai jamais savoir un plus. C'est surtout Rein Roduck. Parce que on l'a vu, Del Macré était toujours présent. C'est vrai que c'est étonnant de voir Reinhardt associé à Roduck parce que en vérité, il n'y a pas vraiment de synergie entre ces deux personnages. Hein. Reinhardt ne va pas bénéficier de l'aide d'un Roduck et Roduck ne va pas bénéficier de l'aide d'un Reinhardt à part son shield. Mais c'est vrai que ça me surprend aussi. Le Macré évidemment est là pour un petit peu contester toute menace qui viendrait du dos. Mais c'est vrai que ce Roduck m'intrigue énormément aussi. Je dois t'avouer que, évidemment, moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi vraiment les teams le font. On a plutôt l'habitude de voir Roduck accompagné d'une Orisa, puisqu'il y a vraiment ce combo très puissant de la Alt Hook, qui consiste à simplement que la Orisa lance une Alt, et une fois qu'elle l'a déclenchée, eh bien, le Roduck peut simplement lancer son Hook dedans pour capturer une prise à tous les coups. Donc, c'est un combo très puissant qui permet souvent d'assurer un premier kill sur un fight. Mais cependant, Reinhardt Roduck, le Roduck va avoir beaucoup de difficultés à placer un hook face au Reinhardt adverse, là où il bénéficierait énormément de la bubble de Lazaria qui lui permettrait d'être très agressif. Mais a priori, les deux teams, sans se consulter ou quoi que ce soit, sont partis sur la même chose. Donc j'imagine qu'il y avait un plan derrière ça, peut-être une idée, peut-être qu'on a un peu réfléchi à tout ça en interne, mais ça pourrait être intéressant de poser la question dans l'interview de fin quand nous aurons notre MVP
évidemment. Et oui, ça devrait se faire après la deuxième map. On aura déjà un petit peu plus de visibilité sur les joueurs qui ressortent un petit peu de sur ce match. Alors moi, pour l'instant, je note Shami extrêmement solide sur son Zenyatta. Et évidemment, je note Lignox qui, dans le match-up de Reinhardt, a un très gros avantage actuel. Alors, c'est vrai que Lignox, du coup, ouais, pourquoi il y avait un monde tout à l'heure avec un, avec une, dive, une sorte de dive board comme du coup. Lignox est un gros joueur de Hammond, donc c'était pour ça. Voilà. D'accord. Ça explique donc évidemment la triple tank Reign Zarya Hammond, qui reste pour moi un mystère stratégique des plus imperçables. Mais ma foi, pourquoi pas. En tout cas, ça leur a pas porté chance hein, d'avoir cette compo-là, pour le coup. Tout à fait. En tout cas, on va partir donc sur la map de Alamora, la map de Assaut, que nous allons pouvoir déguster. Donc une map où, évidemment, il nous faut capturer deux points, le point A et le point B. Le point A ayant un spawn défensif très éloigné du point A à défendre, et le point B ayant un spawn défenseur très proche du point à défendre, évidemment, ce qui permet d'avoir un avantage un petit peu équilibré, alors que nous avons une nouvelle déco. Ah non. Un petit changement de joueur, d'accord, très bien. Oui, des maps très propices à tout ce qui peut générer un effet snowball, donc les double ulti offensives, les sombras, etc. Mais a priori en offense, on part sur une Zarya Reinhardt avec Mei et Ashe, et en attaque, on va partir sur une Genji Fatal avec Amon et Diva. Donc une dive. On est parti. Donc déjà Linox qui va engager un petit peu dans la backlane, va essayer de mettre un petit peu de la pression sur ce point et sur Aou avec sa hache qui reste un petit peu dans le coin pour surveiller. Et va directement engager sur les supports. La Ana et le Zen qui sont très très fragiles, qui n'ont très peu de défense. On va décider de se replier sur le point et de faire un petit peu le bunker pour protéger ces supports qui sont si sensibles aux agressions. Shami qui va récupérer Marisu. Cependant Marisu qui a fait le kill sur Ezer Dragon. Aou va se faire récupérer par Gabin. Le Genji qui dash dans tous les sens, qui va réduire les DPS puisque il n'y en a désormais plus du côté de la team en bleu. Le Reinhardt de Logan paquet sur le point, qui essaye de défendre son Zenyatta mais qui va se faire récupérer. Et oui, on ne peut pas rester comme ça impunément sur le point. Ezer Dragon qui va récupérer le Reinhardt donc, et Zelos Gavin qui va faire tomber Kirito. On va pouvoir récupérer ce premier point pour aller Canadian Beer. Merci. Et oui, hein, les Canadian Beer qui récupèrent déjà ce point plus ou moins rapidement quand même. Je trouve assez rapide pour ma part. Oui, maintenant, on va se diriger vers le deuxième point, le second point, qui peut être pris avec beaucoup de temps, comme il peut être pris rapidement. À voir comment on va se débrouiller du côté des deux équipes pour tenir et prendre ce point. On va voir si on est capable de générer un petit peu cet effet snowball. On va la récupérer très très rapidement. Et actuellement, c'est ce qui se passe puisque les deux DPS des Canadian Beer vont récupérer un kill chacun. La grave qui est tentée pour un petit peu limiter les pertes, mais la trans du Zenyatta était là. Gavin Chami qui charge ses transcendances comme une capacité. Et là, la Blade qui va partir, qui va récupérer Minus et Marisu. Va probablement être capable de récupérer ce point très rapidement. Cependant, la transe de Zelos vient ici pour temporiser, mais Aou va perdre son duel de sniper face à The Real Saz qui récupère juste après Logan. Puis Minilis, The Real Saz qui est on fire. Marisu qui va récupérer cependant Shami qui était un petit peu mal positionné au milieu de ce point. On va cependant récupérer le deuxième tick, même si on va continuer à venir puisque Aou va récupérer le kill sur la Widowmaker. Une bombe va être tentée pour un petit peu zoner cette équipe, mais ne récupérer aucun kill. Nignox qui prend l'avantage sur Kirito en récupérant le kill dessus, mais va directement se faire tomber par Marisu. On devrait voir un reset du côté des Canadiens de dire. Ezer Dragon n'est pas en forme mais va s'en sortir sans perdre le mecha, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on peut apercevoir un peu une compo un peu loufoque quand même, la compo du Winston Hammond. Tout à fait. Tr-
très bizarre comme compo. Pas vraiment de synergie entre les deux. Bah, si ce n'est que les deux ont de la mobilité, donc peuvent engager sur n'importe quoi. Mais The Real Sass, qui ne l'entend pas de cette oreille, hein, lui, il n'a pas le temps. Il va récupérer Minili, cependant. Marisu va équilibrer un petit peu les compteurs en récupérant Ezer Dragon sur cette diva. Même si il va se faire un petit peu embêter de toutes parts, mais Logan va récupérer la Widowmaker qui s'était fait ressusciter. Cependant, là, pas du tout ressuscité. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était déjà mort. Waouh! Cependant, le statu quo est maintenu en tout cas. Et on a des ultis hein, du côté des deux équipes. Et oui, on est à 5 ults là du côté des Los Pachos contre 4 du côté des Canadian Beer. Ça fait mal. le headshot qui pique. Tout à fait. Et surtout, perdre son Zenyatta avant même le début du fight, ça fait toujours beaucoup de mal. La Widow hein, de The Real Sass qui se fait un petit peu embêter par le Hamon qui part très très loin pour embêter cette Widow. Mais il ne va pas se faire récupérer. Le statu quo est maintenu et on va avoir maintenant 6 ultis du côté des Los Pachos. Cependant, Gabin va récupérer Zelos et va pouvoir lancer sa Blade qui ne va pas pouvoir être contrée par la Transcendance. Cependant, la Transcendance est quand même lancée puisque Menilis va récupérer le Rez sur Zelos. Heureusement, normalement, on devrait être capable de protéger ce point puisque Aou va récupérer l'Inox. Même si Gabin récupérera le Macré de Marisu, Minis va quant à lui ou elle récupérer la Widow. Et eh bien, on va pouvoir reset ce fight. Et oui, du coup, on reset le fight. Deux tirs seulement de capé là pour les Canadian Beer. Alors qu'on a, on peut apercevoir le Hamon de l'Inox avec la Diva. Qui sont stockés dans un coin de la map. Et oui, bien planqué. Cependant, oh là là, The Real Sass qui va récupérer 2 kills sur Aou et sur. Eh bien. Sur qui? Sur Minilis? Je ne sais plus. Terrible. On va peut-être pouvoir voyager là-dessus, mais Marisu qui va récupérer le Hanzo. Pour l'instant, hein, on maintient vraiment le contrôle sur ce point. Même si on a pu récupérer ces deux premiers tics lors du fight, du premier fight de Snowball, on n'arrive toujours pas à trouver une solution. Cependant, la solution va peut-être venir du fait que Zelos n'est pas encore sa transcendance et que Gabin est sa Blade. Peut-être là que le point va pouvoir se débloquer. On attend un petit peu de voir tout ça. Cependant, il va falloir que... Ouh, attention, alors que il y a une Blade, hein, la Blade de Gabin qui arrive. Il vient venir chercher Minilis et ça, merci. Et ça ne récupérera personne d'autre. On a Shamir hein, qui fait une percée là sur le point en récupérant Aou. Attention à la Nuke et le Dragon. Pas mal du temps lancé, pas beaucoup de kills qui ont été pris pour le coup du côté des Canadian Beer. C'est un peu dommage. On a encore l'Inox qui est présent avec the Real Size. Alors beaucoup de kills qui sont quand même récupérés, cependant des kills qui sont faits un par un. Et on le sait, pour gagner une de CP, il faut faire les kills très très rapidement. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Même si Shami va récupérer Kirito, on devrait être obligé de reset. Et c'est triste parce que l'ouverture était trouvée par The Real Sass qui fait le kill sur Zelos. Qui avait sa transcendance, ce qui laisse donc le champ libre à Gabin pour faire sa Blade, mais qui ne va pas avoir suffisamment de succès, ou alors pas assez de follow-up sur ses kills, et du coup on ne va pas pouvoir prendre ce premier fight. On n'a pas d'ulti, à part peut-être ce champ de mine du Hamon des deux côtés, et ce nano boost, mais rien de franchement game changer. Donc ça va se jouer au skill, et le skill pour l'instant c'est Aou kill là puisqu'il exécute The Real Sass sur sa Widow. Ça veut dire que les Canadian Beer vont être obligés d'engager à 5v6, mais même moins que ça puisque le champ de mine va permettre à Kirito de récupérer Shami et Ezer Dragon. Aou qui va récupérer Genji de Gabin et Marisu qui va faire un double kill. Je pense même pas qu'on va pouvoir toucher pour les Canadian Beers. On en restera donc pas probablement à seulement presque
cette presque full cap du point, mais eh bien ce ne fut pas assez. Et du coup donc ce side du coup qui a été remporté par les Los Pachos qui ont vite perdu le premier point hein, mais du coup qui ont tenu ce second point avec acharnement. C'est impressionnant, ils ont rien lâché sur cette défense du second point et les Canucks Denver du coup ont vraiment eu du mal à récupérer ne serait-ce qu'un tiers. Ils ont quand même récupéré deux tiers, mais récupérer ces tiers a été compliqué quand même pour eux. Et du coup, belle défense simple. Tout à fait. En fait, c'était très facile de récupérer cette presque complète cape du point parce qu'ils l'ont fait dès le premier fight, mais ils ont essayé de générer cet effet snowball. Cependant, là, on n'a pas pu capitaliser sur les quelques kills qu'on a fait. Pendant la deuxième partie. Et du coup, on n'a pas pu caper ce deuxième point. Et c'est fort dommage. Je pense qu'il y avait un petit problème de communication, peut-être, du côté des Canadian Bears. Mais, on verra tout ça au cours de cette attaque des, Los Pachos. Qui vont nous permettre. Ouh. Ah. Attention au coup dur là du coup, un joueur au moins là du côté des Canadian Beer. Ouais, des petits problèmes. À la mine. Alors bougez pas, je te laisse meubler le temps que je revienne. Tout à fait, tout à fait. J'arrive dans un instant les amis. À tout. Tout à fait, Mogi. Alors, c'est l'instant Ikea du match. On a des petits problèmes de connexion du côté d'un joueur. Ah, bonsoir. C'est la régie. C'est la régie. Bonsoir, la régie. Alors, cher régie, qu'as-tu pensé de ce match pour l'instant ? Eh bien, je peux dire que les spectateurs ont pu vous voir très longtemps parce que le changement de scène a un peu traîné sur Nomura. Alors, ce n'est pas grave. Non. Il vous trouve très beau, donc pas de soucis. Ah, formidable. Donc, en tout cas, on voit que beaucoup de difficultés hein, pour les Canadian Bears à prendre ce second point. Cependant, on sent quand même qu'il y a un vrai beau potentiel. Hein. On les a vus sur la première map quand même. Arrivé de nombreuses fois à 99% sur les deux points. Et là, on les voit faire quand même une très très belle, très convaincante première attaque. Et un très convaincant snowball là aussi. Cependant, je pense qu'au niveau de la com, il y a eu des petits problèmes dus aux problèmes techniques. Sachant que notamment, avoir ne serait-ce que sur leur hit scan, là, donc The Real Size, qui a l'air très, très à l'aise très sur solide. Sa Widow et sur son Enzo, il a fait de très bons entry picks, de très bons picks général. Et souvent, ils avaient l'avantage numérique, mais dû au fait sûrement que le spawn était plus près. Ils ont eu sûrement du temps avant de faire descendre tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que du coup, ça s'est mal passé. Tout à fait. Et on est reparti sur ce match incroyable. Ça repart déjà, Mugi, es-tu là ? Oui, je suis là, oui, je suis là. Ah là 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 là. On est reparti, du coup, ça y est. Hein. Du coup, tout le monde est au complet. Et on est parti déjà avec un premier kill de Zerel Size sur Minilis. Impressionnant, impressionnant. Saz qui fait un incroyable travail sur sa Widow. Cependant, on voit la petite sombre de Marisu qui est partie pour l'embêter. Qui commence un petit peu à lui mettre quelques dégâts. Qui va un petit peu charger cette MP6 important pour contrer leur composition, la composition des Canadian Bears. Cette composition Bob avec un Bastion, une Orista et un Baptiste. Cependant, Zelos va récupérer directement ce Baptiste qui est si important pour que cette composition tienne debout contre la dive des Los Pachos qui se met doucement en place. On a la sombre qui va mettre évidemment beaucoup de pression sur la backlane.
mais qui va directement se faire repérer par la Widowmaker de The Real Sats qui était en ultime, qui va se prendre une magnifique direct roquette de la part de Aou, qui fait un très très gros travail, qui va poker ce bastion. Et oui, car il n'y a plus de champ d'immortalité de la part du Baptiste qui n'est pas encore revenu du spawn, même si, et bien sur le chemin, il va se faire récupérer par Marisso. On va pas du tout pouvoir contester ce point, c'est un point perdu en, et bien il me semble, encore moins de que les. Tout aussi rapide, hein, je dirais. Hein. Tout aussi rapide. Ouais, à quelques secondes près, hein, vraiment à quelques secondes près. Tout va jouer sur ce second point, à la rapidité où va pouvoir être récupéré potentiellement ce second point. Tout à fait. Est-ce qu'on sera capable de snowball, hein, avec ces ultimates qui arrivent, notamment celle de Aou, son barrage de roquettes, qui va faire tellement de dégâts sur les ennemis. Cependant, Marisu va se faire récupérer. C'est très dommage, puisque le MP était en train d'arriver, on va perdre Aou aussi, je pense qu'on va reset ce fight. Cependant, on a un énorme avantage aux ultimates du côté des Los Pachos. On a 6 ultis bientôt 7, je pense que 5 ultis bientôt 6. Ah, on a eu un switch. Hein. Ah, c'est dommage. Il y a eu un switch sur une Widow, potentiellement pour aller chercher ce bastion peut-être. Ouais, je pense que c'est surtout pour contester la Widow de Saz qui est vraiment incontestée. Ah oui, exact, oui. Fait beaucoup de travail. Aou qui va donc être chargé de mettre cette pression constante à la Widow de Saz pour l'empêcher de prendre de telles entry picks comme eh bien il le fait si bien depuis le début de cette game. Le visor qui est lancé par Saz qui va donc un petit peu ralentir cette progression des Los Pachos. Cependant, on a vraiment toutes ces ultis qui arrivent. Et il va falloir les utiliser et bien les utiliser car ce fight pourrait être gagné. Cependant, Marisu qui va immédiatement se faire récupérer. Trois personnes lui arrivent dessus. C'est un peu dommage d'être un petit peu si prévisible dans ses déplacements. Parce que, bien évidemment, tout le monde se doute quand vous jouez son bras que vous allez squatter ce gros health pack dans la backlane. C'est assez facile de venir chercher, surtout quand on a une diva. Ah, du coup, on attend de pouvoir se regrouper. Du côté des Los Pachos, si je dis pas de bêtises, attention, on a la sombre à la question le point qui va potentiellement aller chercher l'IEM sur le Bastion Reinhardt. Il va falloir être prêt à avancer du côté des Los Pachos. Cependant, Aou qui va se faire récupérer par Zorin Saz. Mais l'IEM qui part sur Cybersad. Est-ce que ça va prendre des kills? Non, dommage. 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 Et le, Zenyatta de Gabi, de Chami qui était si bien placé près du spawn, qui va donc pouvoir survivre et donner du heal et des dégâts pour ses teammates. Cependant, Aou va récupérer le bastion et on a fait moult kills du côté des Los Pachos. Le reste qui passe sur Kirito. Cependant, on arrive un petit peu à matcher ces kills du côté des Canadian Bears. On devrait reset du côté des Los Pachos. Aou qui va tenter un petit peu peut-être de faire un dernier kill par pur vengeance, mais le fight était déjà loose. Et c'est le reset. Et surtout le délai de Kirito. Il est toujours très très triste d'être une mini diva dans Overwatch. C'est clair et net. Hein. J'espère que vous vous sentez mal, Canadian Bears. En tout cas, on va doucement venir reset ce fight du côté des Los Pachos. On est toujours un petit peu sur cette même compo. On a Marisu qui approche doucement de l'IEM tant désiré et Kirito de cette petite bombe de diva. Ce petit combo hein, qui fait tant le travail. Cependant, Saz qui va récupérer le kill en duel sur Marisu. Marisu qui vraiment est trop prévisible sur ses placements de TP. Parce qu'à chaque fois, il veut jouer et bien sur ce petit mini pack. Et du coup, tout le monde sait qu'il est là. Tout le monde sait qu'il est là. Ouais, ouais, c'est ça ce qu'il va venir le chercher. Hein. Et ouais. Aou qui récupère le kill sur Chami avec une belle tête de la part de Aou. Alors qu'on a une connaissance qui est lancée. Une approche de l'IEM. L'IEM de Marisu avec la nuke est là. Seulement un IEM. La nuke qui part un peu. Après, mais un petit peu tard, ouais, effectivement. Cependant, l'IEM qui va permettre de récupérer le kill sur deux personnes, notamment Volmog et sa Moira. Ensuite, le Reinhardt qui va se faire lui aussi récupérer. On est à 2 kills contre 2 kills. Mais Gabin qui va venir eh bien, achever Kirito après lui avoir pris son mecha. On va reset à nouveau ce fight et dealer un petit peu cette merci
Cette pauvre petite merci de Minilis qui va donc eh bien, arriver un petit peu plus tard parmi ses teammates. Maristook qui décide de switch sa sombra pour un Genji. Pas forcément. Je pense que la sombra, il aurait pu garder la sombra. Je pense que c'est juste le follow-up sur ses ultis qui était peut-être un petit peu discutable. Allez, du coup, on se redirige vers les Lost Patchos. Du coup, les Lost Patchos qui reviennent avec Aou fait encore un headshot sur Gabin et son Macri. Tu peux mal positionner. On est à moins 1 du côté des Canadian Bears. Tout à fait, mais il va revenir assez vite. Incroyable. Kirito qui va donc récupérer les Orilsaz, la bombe de Diva qui est lancée un petit peu pour zoner cette équipe des Lost Patchos. Mais pendant ce temps-là, Shami qui est vraiment est on fire sur ce match et qui va récupérer Logan, Marisu qui va cependant prendre sa revanche, venger son coéquipier et récupérer le petit Zenyatta. Tandis que Logan se fait ressusciter par sa merci. Minilis qui va donc permettre de récupérer le kill sur Balmung grâce à l'ultimate de Winston. Kirito qui va faire un double kill sur le Reinhardt et la Diva. On a la trans qui vient un petit peu contester ce point. Cependant, on devrait vite récupérer ce petit Zenyatta. Et on va être obligé de venir temporiser en catastrophe, notamment avec cette Blade sur le point, mais qui ne va pas avoir vraiment beaucoup de follow-up. Et Marisu qui va, eh bien, ah non, c'était la Blade, effectivement, Delos Pachos qui va permettre de récupérer deux kills à nouveau sur le tank et sur la Moira. On va un petit peu essayer de venir stagger ce point, mais ça va être très compliqué. Et normalement, le point devrait être récupéré par Delos Pachos. Et c'est la victoire pour Delos Pachos 1. Et ça fait une nouvelle fois, 2-0 du coup pour les Lost Patchos. 2-0. L'écart commence à se poser là entre les deux équipes, 2-0. Et on a un magnifique play of the game de The Real Styles du coup. Et Sawido, comme le disait Lizen tout à l'heure, est assez impressionnant sur ça. Très solide, hein. très solide. Un petit peu trop de flickshot à mon goût, ceci dit. Mais voilà, quand il arrête de flickshot n'importe comment, il prend des kills. Et ça c'est bien. Cependant, eh ben, on sent qu'individuellement les Canadian Bears sont solides. Clairement, enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je pense que c'est vraiment au niveau de la com que ça se passe. Et peut-être au niveau du mental aussi, hein, parce que même si parfois on voit un petit peu les Lost Patchos bien choc au niveau de la communication, on voit des IEM bons un petit peu ratés, tout ça. Donc la com doit pas être non plus parfaite, mais je pense qu'au niveau un petit peu du mental et peut-être de la com, ils sont un peu plus solides, ce qui leur permet d'assurer et bien leur domination pour l'instant sur ce match. Bon, en tout cas, du coup, ça leur fait 2-0. Du coup, normalement, le choix de la map devrait être à l'avantage des Canadian Bears. Du coup, ils devront choisir entre deux maps hybrides, notamment Blizzard World ou King's Row. King's Row, j'imagine que ce sera King's Row, hein, je me fais pas trop d'illusions, même si j'aime beaucoup voir Blizzard World parce que c'est une map que je trouve très intéressante, même si elle est très difficile. Il est souvent commun de choisir la facilité du côté des équipes et de partir sur King's Row, puisque King's Row est une des maps les plus eh bien, simples et directes qui existent dans Overwatch. Je t'avouerai que King's Row a été joué pas mal de fois. Hein. Je me suis permis de faire mes calculs de mon côté, de voir le nombre de fois où les maps ont été jouées. Au niveau des maps hybrides, King's Row ressort beaucoup, notamment si pas de bêtises, les derniers chiffres que j'ai, c'était 14-5, je crois, quelque chose comme ça. Donc 14 pour King's Row, 14 fois King's Row a été joué pendant cette ligue, du coup, contre 4 ou 5 fois, du coup, pour Blizzard World. Eh oui, ça ne m'étonne guère, mon cher Mugi. King's Row est connu comme l'une des maps les plus scrim par les équipes Overwatch. Et en tout cas les équipes eh bien de niveau à peu près platine, diamant, tout ça, parce que c'est une map qui est en fait relativement facile, relativement, c'est une map qui privilégie beaucoup les combats au sol, donc tout ce qui va être Zarya, Reinhardt, donc tout ce qui va être évidemment Guts aussi, mais voilà,
Mais on va voir, hein. Peut-être qu'on sera surpris et peut-être qu'on verra une map incroyable, une map nouvelle, Blizzard World, qui sait? Peut-être, on va le savoir un peu. Du coup, les propositions sont faites. On va voir comment choisir. Il y a de fortes chances que ce soit Kingsrow, hein, comme le disait Lizen justement. Moi, je garde espoir. On Je peut avoir garde des espoir, Mugi. surprises, effectivement. Ah, et ce sera Bon. Kingsrow. Ce sera Kingsrow, hein. C'était assez attendu. Ça ne m'étonne guère. On va donc probablement y voir de la GOATS. Peut-être. On peut toujours être étonné. Hein. On peut toujours voir des compositions bunker. C'était quelque chose qui se faisait un petit peu un temps. Mais écoutez. Moi j'attends de voir ce que les équipes vont nous proposer. On sait que Kingsrow c'est aussi un des royaumes de la Widow. De la Widowmaker, de la Fatale. Ouais. Et on a vu la solidité de Sazz sur le pic notamment, mais aussi celle de Ahou. Donc c'est totalement imaginable de voir des compositions à base de sniper de chaque côté. D'ailleurs, petit point Et vite fait sur les MVP, du coup, ah je oui. sais pas si le vote a été créé, je ne crois pas que le vote a encore été créé, mais du coup, des noms devraient apparaissent un peu, voilà, dans le lien qui a donné. Donc n'hésitez pas à aller voter pour le MVP de ce match, qu'on se fera un plaisir d'interviewer, hein, mon cher Izen. Tout à fait. Moi en tête pour l'instant, j'ai vraiment Ahou et Shami qui se battent. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment d'autres. Mais j'ai surtout. Enfin, voilà. Un de chaque côté, pour l'instant, j'ai Ahou et Shami qui font tous les deux dans leur rôle, évidemment, respectif, un travail assez incroyable. Très bon travail. D'un côté DPS, d'un côté Zenyatta. Donc Zenyatta, c'est un peu DPS, mais. Mais voilà. Ah, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais bon, évidemment, hein, tous les autres membres font probablement leur taf. Mais c'est vrai que les deux qui m'ont un petit peu. Un peu sorti du Qui lot. m'ont attrapé, voilà, qui ont brillé face à mes yeux, et eh bien ce sont pour l'instant Ahou et Chamou. évidemment Shami. On va voir un petit peu si cela va changer sur cette map de Kingsrow. On sait que c'est une map qui est très orientée sur le Reinhardt, donc on va voir un petit peu ces duels de Reinhardt qui vont être si importants sur cette map. À moins que les teams décident évidemment de partir sur d'autres choses. On peut voir de la Orisa, on peut voir du Winston. J'attends un petit peu de voir ce que les équipes vont nous proposer. Mais c'est vrai que l'habitude est plutôt de voir de la statique, de voir du Reinhardt, de voir des croisés en armure se friter la gueule. Et eh bien, plutôt plaisant à regarder les duels de Reinhardt. Enfin, plaisant. Se tape dessus, quoi. On aime bien voir des gens qui se tapent Tout dessus. à fait. En tout cas, la map va commencer dans quelques instants et on va d'ores et déjà pouvoir un petit peu apercevoir les compos, même si elles peuvent changer à tout moment. Du côté défense des Los Pachos, on va pouvoir voir une Zarya Reinhardt avec un Soldier Hanzo et Ana Zenyatta là aussi. Donc, une backline très fragile. Ana Zenyatta, il y a très peu de peel, il y a très peu de défense, on a peu d'escape, c'est par contre très orienté au niveau des dégâts et des utilitaires, donc il y a beaucoup de boosts de dégâts, il y a l'antinette qui est si puissante, et on a cette frontline si solide, cette Zarya Reinhardt qui vont faire beaucoup de pression sur la frontline. Cependant, de l'autre côté, on a Sazz sur sa Widowmaker, Gamer sur son Genji, et on a une dive avec un Ahmon en solo tank et une Sombra. Ça va être très intéressant à voir cette petite tri DPS. On va voir comment les eh bien, le Spatchos vont se débrouiller à la contrer. On a d'ores et déjà Ezreal Dragon qui va tenter un pile drive mais qui va se faire anti-heal et prendre énormément de dégâts. Ce qui va évidemment beaucoup feed les ultis de chaque côté, les ultis support d'un et les ultis eh bien, DPS de l'autre. On a Adward qui va commencer un petit peu à poker la backlane. Ezreal Dragon qui va, eh bien, probablement se faire récupérer immédiatement par Zelos. Et Ahou qui va prendre le kill sur sa Mercy avec la flèche de reconnaissance. Ainsi que sur Sazz directement le duel de sniper pour l'instant. Et remporté par Ahou. Marisu qui va prendre eh bien, sa revanche sur Gabin par rapport à la map précédente. Et la Sombra de Adward qui va un petit peu commencer à faire sa vie dans le dos eh bien, des Los Pachos. Pour l'instant, on n'a pas d'ulti ni d'un côté ni de l'autre. Et on va juste aller spam un petit peu de chaque côté pour charger ces ultimates si précieuses.
on a Aether Dragon qui est parti sur un Reinhardt. Un Reinhardt qui va être un petit peu solitaire, puisque eh bien il n'a pas Sazaria. Kirito qui va prendre le meilleur sur Gabin. Attention, Kirito hein, qui split et qui se fait récupérer par Aether Dragon. Il se fait slip et split, c'est horrible. Mais oui, mais ça c'est mérité. La Ana, la milice qui se fait récupérer par Gabin. Et Aou hein, qui va chercher le kill sur Gabin pour venger son mate. Et oui, cependant, vraiment, on est gros problème de positionnement, puisque eh bien on a vu Kirito se séparer totalement de sa team. Et eh bien Minis lui aussi cependant Adwar va pouvoir prendre le meilleur sur Zelos. Et le Tactical Visor qui va être envoyé par Marisu, qui va permettre de prendre le kill sur Shami. Est-ce qu'il va prendre un deuxième kill? Non, il va directement se faire récupérer par un réflexe de Gabin dans sa face. On va raise le Reinhardt de la part de Bolmog. Et la Blade qui va partir et qui n'a pas de counter, puisque Zelos n'a pas encore sa transcendance qui va permettre de récupérer Minilis, ainsi que Awu. Kirito va lui se faire eh bien empaler contre le mur, et le point ira droit aux Canadian Bears. Et oui, ça y est, les Canadian Bears du coup ont récupéré ce point, et notamment le payload. Maintenant il s'agira de le faire avancer jusqu'au prochain checkpoint. Et en tout cas, on a la Widow de Size qui essaie de faire kill du haut de son balcon. Tout à fait. Alors là, habituellement, on voit quand même les teams rusher un petit peu au devant de la team ennemie, en oubliant un petit peu le payload d'un côté pour essayer de prendre un petit peu ses kills avant que les ennemis aient le temps de se regrouper. Mais là, ça ne fut pas du tout le cas. Et du coup, eh bien, on va avoir une grosse agression de la part de l'équipe en bleu, de l'équipe en rouge, les Canadian Bears contre les Lost Patches. Cependant, ça, qui va récupérer et bien deux kills sur Logan. Emilis, cette agression n'a pas totalement payé pour les Lost Patchos. Cependant, le statu quo est maintenu. On va récupérer quand même Marisu et on va reculer de la, fin, du côté de Aou et Zelos. Est-ce qu'on va seulement pouvoir reculer avec Saz qui va prendre la ligne sur le main et qui va essayer évidemment de pique ses snipers? Aou qui eh bien fait un petit duel de sniper. Cependant, il est un peu seul alors que eh bien Saz est babysité par la Mercy. Je sais pas, incroyable qui se passe dans ce petit couloir qui va l'emporter. On a le Widowizer qui va permettre à Saz de récupérer le kill sur Aou, puis sur Marisu, puis sur Minilis. Saz est on fire. Logan va cependant et bien fire strike Gabin, mais Saz il va récupérer à nouveau Zelos, ce qui est extrêmement solide sur son pick de sniper. Effectivement, c'était beau hein, du coup le payload qui reste aux mains des Canadian Bears du coup. Et ils le font tranquillement avancer. On devrait avoir un fight avant eh bien la prise du deuxième point, mais ça va être très très chaud. Surtout que ça se commence à prendre un petit peu. Ah non, on va décider un petit peu de rester en arrière. Puisque ça se prenait cette ligne. On a Awu qui est passé sur une Widowmaker pour essayer de contester au maximum 16. Saz qui va cependant récupérer le pic sur Zelos qui était un petit peu mal positionné. Puis sur Minilis qui fait son travail hein. Double kill, ouais. Double headshot. Saz qui vraiment permet à ses coéquipiers un petit peu d'être tranquille. Cependant Awu va prendre le meilleur sur le gap. Et va récupérer son vis-à-vis, Saz, Kirito qui va prendre le meilleur sur Gabin, qui cependant avait été ressuscité, mais bien sûr, pas assez. On devrait être capable de push un petit peu les membres des Canadian Bears jusqu'à leur spawn. La Mercy qui va un petit peu se bloquer contre le mur. Est-ce qu'elle va pouvoir se faire récupérer par le Reinhardt? Non, Logan va se faire anti, elle va donc probablement reculer. On a récupéré le payload, mais à quel prix? On a, eh bien, pas d'ultimate. Si on a un Shatter qui va peut-être permettre de sauver ce fight. Cependant Saz qui va immédiatement gagner son duel contre Aou qui ne l'avait pas vu venir. On est en 5v5. L'IEM qui part avec un Shatter. Oh, qui magnifique Shatter. Oh là là. Ça c'est très bien joué. Aether Dragon qui eh bien fait un travail monumental pour clean ce fight. Et on va pouvoir avancer doucement ce payload jusqu'à ce point final qui marquera la fin de cette première attaque. Est-ce qu'on va pouvoir seulement sortir du spawn avec eh bien Saz qui spawn camp avec sa lunette, la trans qui est popée. Cependant Logan est en tilt et donc c'est fait récupérer. Aou va cependant prendre le kit sur le Reinhardt de Aether Dragon, mais Saz va gagner son duel immédiatement contre Aou. La Blade qui part et qui va peut-être permettre de clutch ce fight, qui va en tout cas récupérer Adward, même si Saz, oh, Saz qui prend le kill sur le Genjin Marisu, ça fait si mal. Et Paul Mug qui va raise Adward
Tout à fait, Logan qui lui est passé sur un Amon pour revenir plus vite, mais qui du coup ne va pouvoir vraiment switch avant la fin. Et cette ombre va lui poser beaucoup de problèmes. Cependant, la widow de Saz peut-être va pouvoir être contestée grâce à ce pic. Le Genji de Marisu qui va récupérer Saz grâce à la pression que Aou lui mettait. Aou qui va pouvoir prendre Shami tranquillement. Marisu qui va permettre de récupérer le deuxième healer Volmog. Et on va normalement pouvoir clean up et récupérer ce fight pour les Lost Patches. Alors que Adwart est planqué. Et le duel entre la widow et la sombra qui s'engage doucement. Mais la sombra n'a aucune assistance et va directement se faire récupérer. C'est un peu dommage puisque du coup les Canadian Bears vont engager ce fight en 5v6. Est-ce qu'on va quand même pouvoir remporter ce fight? Ça me paraît compliqué hein. Sachant qu'on approche bientôt de l'overtime, on arrive au... une minute restante réglementaire avant l'overtime. Et attention, cette grave là de Kirito qui a envoyé là sur les Canadian Beer. On a eu un petit slip là sur Marisu aussi. Attention, Aou hein, qui fait un travail monstrueux lui aussi avec sa widow. Et attention, le nano boost. Tout à fait, le nano boost sur le nano qui part qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts. Cependant, intelligent, les Canadian Beers ont reculé. Il ne reste plus que 34 secondes. Il y a un Reinhardt qui a un shatter là, qui est sur le côté de droite, qui peut potentiellement faire un clutch du coup avec son shatter. Ou Eliem qui part et qui va être donc follow up par le shatter et la grave en même temps. Un petit peu discutable. Cependant, Adwart qui va faire un quadruple kill sur absolument tout le monde. Et Shami qui va prendre le dernier kill sur Kirito. Incroyable. On va pouvoir avancer ce payload. Cependant, est-ce qu'on arrivera à contester à temps pour les Lost Patches? Il y a cette transcendance qui va revenir. Cependant, cet anti-heal qui va faire beaucoup de travail. Logan qui va revenir sur le point. Qui est hack. Qui se prend tellement de pression de la part de Gabin. Qui va aussi récupérer Zelos. On a le Winston sur le point. Qui est anti-heal et qui est dans sa bubble. Est-ce qu'il va pouvoir survivre assez longtemps? Non, il va se faire récupérer par Ezard Dragon qui met des coups de marteau un peu partout. Et Shami qui va se faire récupérer. On est au complet du côté des rouges, des Canadian Bears. Et on va pouvoir récupérer 1-1. Et Lost Patches. Et non, ce ne sera pas suffisant pour le coup du côté des Lost Patches du coup, pour garder l'avantage de ce payload. 3-0 à l'heure actuelle. Cependant, on est en overtime. Et ça, mon cher Mugi. Et ça, mon cher Mugi, c'est une très bonne nouvelle pour les Lost Patches, puisque eh bien, ça veut dire que s'ils arrivent à remporter leur attaque avec encore ne serait-ce qu'une minute dans leur time bank, eh bien ils n'auront qu'à capturer le premier tiers. Après une courte page de pause. Et tout à fait. Ils n'auront qu'à remporter le premier tiers et eh bien ils remporteront la map. Alors que donc, c'est le moment Ikea. Pour l'instant, très convaincu par la performance des deux équipes. Très belle défense du P3 par les Lost Patches. Cependant, une défense du P2 très fébrile. Ils ont fait un énorme push au début qui était plutôt chouette. Et après, ils se sont laissés snowball sur toute la durée du fight. Enfin, sur toute la durée du P2. Et c'est un peu dommage. On sent un avantage léger, je pense, mais présent. De Saz par rapport à Aou sur le duel de Widow, mais c'est léger et on les sent solides sur leur pick tout de même hein. J'ai vraiment hâte de voir l'attaque des Lost Patches parce que franchement ouais. Ils ont l'air solides hein, puisque depuis tout à l'heure c'est vrai qu'on les voit et ils arrivent quand même à faire de beaux fights. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est du beau jeu, c'est du beau jeu. On a des compos plutôt entre guillemets simples, enfin je veux dire des compos assez classiques, mais on maîtrise assez bien les picks. Donc, eh bien les équipes sont solides. Et ça, ouais, c'est cool. On voit donc un très très beau match se dérouler sous nos yeux. Tandis que Zelos qui va pouvoir se reconnecter et qui va terminer cet instant Ikea. On va avoir la suite de ce match. J'ai hâte aussi voir à quel point... je sais pas à quel point les Lost Patches vont récupérer ce point. Du moins s'ils récupèrent déjà ce premier point. S'ils le font, est-ce que ce sera rapide ou long? Tout à fait.
que pour le moment, ils ont récupéré plusieurs points assez rapidement. Les Canadiens de Bureau aussi l'ont fait, notamment sur la 2CP précédemment de Hanamura. Ça a été tout rapide, les captures de points. Après, c'est assez even, hein, c'est assez égal de chaque côté. Enfin, en tout cas, sur la première map, c'était très égal. C'est vrai qu'Hanamura, on a quand même vu un léger avantage du côté des Los Pachos, hein, qui ont vraiment bien généré cet effet snowball, qui ont très très bien joué. Mais je suis vraiment intrigué de voir s'ils arriveront à faire la même sur cette map, parce que en vérité, Kings Row, c'est une map qui peut être très prompt au snowball. Hein. Une fois que le premier point est cap, on peut vraiment aller pousser l'équipe adverse très très loin sur la map sans avoir trop à se poser de questions et récupérer les bad spawns, récupérer un peu des kills, être très très agressif. Donc ça va être vraiment intéressant comme map à voir. Surtout puisque on va voir les Canadian Bears sur la compo Bob, la compo Passion Orisa Baptiste, et donc une compo qui est extrêmement difficile à contrer. Par contre, une compo Bob un peu positionnée étrangement, positionnée en bas, tout au fond du point. Donc, c'est surprenant. Ouais, on va pas avoir vraiment le contrôle de ses hauteurs, donc ça veut dire que du côté des Los Pachos, on va vraiment pouvoir posséder de ses hauteurs, pouvoir les défendre. Cependant, on voit ça sur sa Widowmaker, qui va, je l'espère, mettre beaucoup de pression à la compo tri-DPS des Los Pachos, qui commence doucement à prendre les hauteurs avec le Genji, avec le Hanzo et Kirito sur sa Pharah, qui va maintenant se faire récupérer par Adward sur sa Diva. Cependant Adward qui est un peu isolé, mais qui va récupérer le kill sur un reste qui va être tenté de la part de Minilis, mais évidemment il va se faire récupérer, même si Yahoo a gagné le duel de snipe, ce qui permettra, si les Los Pachos se regroupent très très vite, de faire peut-être une attaque en 5 contre 6, ce qui leur donne évidemment un très gros avantage. On n'a pas la pression de cette Widow qui va doucement commencer à revenir sous la forme d'un Genji. Puisque Wissaz a effectué une terrible transmutation. Alors que le dragon qui s'est chargé si rapidement, qui va venir prendre un triple kill incroyable. Le Bastion sur la Orisa et sur la Mercy. Et ça c'est très très bien joué. Ahou qui continue sa folie meurtrière en récupérant la Diva et son mecha. Ahou qui fait preuve d'une solidité incroyable, puisque il récupère là aussi le bastion. Moi je dis bravo. Ah, alors qu'on va tenter un retake du côté des Canadian Bears. Ezard Dragon qui va revenir sur le point avec le Genji de Saz. Cependant, le Kirito ne s'entend pas cette oreille, puisqu'il va placer magnifique barrage de roquette qui va récupérer. Et le Reinhardt, même si cette bombe va être lancée un petit peu en cloche, et bien on va espérer qu'elle passe par cette zone, ça ne va pas être le cas et elle ne va récupérer personne. On va clean ce fight et on va pouvoir commencer un petit peu à push pour essayer de générer cet effet snowball du côté des Los Pachos. On a pas mal de bad spawn là du côté des Canadian Bears du coup. Et on décide de ne pas push, on décide vraiment d'être groupé autour de Spellon. Cependant, on a ce Genji de Sas qui est un petit peu isolé dans la backlane. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer du côté de Los Pachos? Ce serait vraiment une très très bonne opération puisqu'il serait extrêmement délai avec ses teammates. On va le laisser comme ça quand même. Il est vraiment si loin. Il est au spawn des Los Pachos. Qu'est-ce qu'il fait, Sas? Sas qui se balade dans les couloirs un petit peu. Qui va venir mettre de la pression sur cette backline. Cependant, sur la frontline, on va pouvoir engager puisqu'on est en 5 contre 6. On va lancer cette blade nano boostée qui va récupérer peut-être quelqu'un. Non, il va par le Macri. Cependant, du côté de la frontline, Logan va récupérer le Reinhardt de Ezard Dragon. Et Awu va récupérer Saz sur son Genji qui était un petit peu trop derrière tout seul. La Dragon Strike qui va être tentée. Mais on ne va évidemment récupérer personne. Kirito qui va se faire récupérer par Gavin. On devrait reset du côté des bleus, les Los Pachos, qui vont reculer doucement à leur spawn. Et oui, hein, du coup, les Canadian Bears du coup qui sont proches de ce payload, qui ont fait back un peu les Los Pachos. Les Los Pachos qui sont un petit peu arculons là plutôt qu'avancer. Attention, là le Hammond de Logan qui a sorti le champ miné, double triple kill de la part de Logan avec son Hammond impressionnant. Ce champ de mine l'a bien placé sur le payload. A fait pas mal de gars. Attention à Gabin là qui a fait un double kill quand même dans le back des Los Pachos. C'est le team kill qui résonne là davantage des Los Pachos. Tout à fait, très convaincant, hein, le Hammond de Logan finalement.
Cependant, Sasuke va directement prendre le meilleur sur Marisu, hein, la petite vengeance de la fight, du fight précédent. Cependant, eh bien, on va quand même réussir à caper Spellode. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que là, on engageait un combat en 5 contre 6, mais on va quand même bien défendre sur ce main avec le petit corner. Cependant, eh bien, Logan va se faire immédiatement récupérer par Gabin. Kirito qui va prendre la revanche pour son teammate. Logan qui va se faire récupérer. On est en 6 contre 4. On va lancer ce barrage de roquettes et qui va récupérer ce Reinhardt. Tandis que Aou va gagner son duel contre Saz, énervé par le kill précédent. La bombe de Diva qui est lancée au milieu du main. Mais ne va récupérer personne, on va pouvoir continuer à avancer ce payload. Et on a une time bank de 3 minutes 35 à l'approche de ce troisième point. On va continuer à snowball un petit peu en récupérant Shami et Adwart. Ça commence à très très mal se passer pour les eh bien, Canadian Bears. On a un Reinhardt là qui est isolé aussi, celui de S-Dragon qui se bat face à Wu et son Enzo. Attention Adwart là qui revient avec Zarya. On se rapproche dangereusement du point. Gabin qui a récupéré Minilis. Ouh, cette magnifique 25 de Lizard Dragon qui va permettre de récupérer le kill sur Zelos. Il n'y a plus de healer du côté des Lost Patchos. On devrait normalement reculer, même si Gabin va tenter un High Noon et va se faire immédiatement récupérer par Awu qui va perdre son duel de Hanzo contre Saz. Je pense que ce serait le bon moment pour switch du côté des Lost Patchos. Cependant, ils vont garder leur composition. En effet, ils ont 4 ultis à placer. Et ces 4 ultis peuvent eh bien, changer le cours de la game. On va voir ce qui lancera. Kirito continue un petit peu à poke ce Reinhardt pour charger son ultimate si important. Il l'a, ça y est, 99%. Il ne reste plus qu'une seconde alors que le champ de mine de Logan qui est lancé mais qui n'a récupéré absolument personne. Et Logan va lui-même se faire récupérer ainsi que eh bien, la Anna, la, le Visor de Tactical Visor qui est lancé avec le barrage de roquette qui va permettre de récupérer sur le Hanzo de Saz ainsi que le Zenyatta, le Rednar et la Zarya. On n'a plus personne du côté des Canadian Bears. On va doucement essayer de revenir avec cette eh bien, Tracer, mais on ne pourra pas mettre les pieds sur le payload. Ce clutch de fin de la part de Marisu était vraiment propre. Ouais. Et ça aurait... ce quadruple kill là, c'était impressionnant. Ça aurait pu vraiment mal se passer, mais eh bien, très bien joué de la part de Marisu. On va pouvoir récupérer eh bien, ce point. Et avec 2 minutes 6 dans la time bank, ça veut dire que maintenant, les... Eh bien, tout à fait. Les Lost Patchos n'ont plus qu'un tiers à récupérer sur le premier point. Et ce sera la victoire pour eux, à la fois sur cette map, mais aussi dans ce quad map. On attend de voir. Du coup, là, c'est un tiers, c'est ça qu'il faut caper. Tout à fait. Ce n'est qu'un tiers du premier point à caper pour les Lost Patchos. Et eh bien, plus que 18 secondes avant le début de cette game, on arrive du côté des Canadian Bears avec une Reinhardt Zarya double hit scan. On a une compo avec... Reinhardt Zarya du côté des Canadian Bears. Tout à fait, avec une Widow et un Soldier. Et on est resté sur la tri DPS. Alors que ça, ce qui va directement remporter le duel sur Marisu, ça commence mal. Pour les autres, pas de choses, mais ça commence mal du coup. Tout à fait. On est déjà à moins 1 sur ce premier fight. Tout à fait, on a ça qui... Ouais, ouais. On a ça qui a vraiment décidé de se réveiller sérieusement. Marisu qui va décider de ne pas prendre le duel plus que ça, qui va passer sur une Mei pour essayer un petit peu de... embêter au maximum les tanks de la... Oh, et Saz qui fait un double kill de l'équipe évidemment des Canadian Bears. Mais oui, Saz ne l'entend pas de cette oreille, il va récupérer eh bien, le main tank de l'équipe adverse. Puis Zelos à nouveau. Saz qui est en forme désormais, hein. Saz qui est énervé, qui a décidé que ça y est, il en pouvait plus. Cependant, Kirito va prendre le meilleur sur Saz. Et Shami par contre, eh bien, va continuer son travail de sap en récupérant Minilis et la Mei. Mais Kirito qui va tenter une blade un petit peu solitaire et qui va immédiatement se faire récupérer par le duo tank des Canadian Bears. Il ne reste plus déjà que 60 secondes au Lost Patchos pour essayer de simplement capter ce premier tiers. Et sinon, on finira sur un draw. Ce serait tellement triste. On est passé sur un Winston du côté de Logan.
Et on dive sur cette backline si fragile. Le soldat qui est un petit peu en mauvaise posture face à ce Winston, mais qui va lancer un tactical visor qui va mettre beaucoup de dégâts sur ce Winston. Cependant, Aou a pris meilleur sur Gabin. Saz qui va récupérer quand même le meilleur sur Marisu. Shami qui va se faire récupérer par le terrible Genji de Kirito. On en est sur un fight sur du 3 contre 3. Sur du 3 contre 4 même. Cependant, Saz qui va se faire récupérer par Minilis qui remet les pendules à l'heure à la Widow. On est plus que deux tanks et un healer. Mais cependant, le soldat de Gabin va revenir. Même si Logan va faire un très gros travail de sap sur Adward et Aou qui va récupérer le Reinhardt. On en est. Oh, Aou qui fait un double kill sur Bolmoy et qui permet à Kirito de récupérer Gabin. Et on va récupérer ce premier point. Et on a gagné du côté des Los Pachos. On a remporté ce deuxième point. Ça nous fait du 3-0 pour le moment. Donc, on va enchaîner sur la quatrième map pour la forme, pour les Canadiens Sbires et les Los Pachos, plus qu'autre chose pour le coup. Tout à fait, bah une map qui finalement est intéressante pour le goal average hein, finalement. Oh là là, insane. Très solide Saz hein, sur sa Widow. Mais oui, une map qui serait intéressante pour le goal average, pour les playoffs finaux, etc. Mais évidemment, la game est remportée cependant par les Los Pachos. Ah. Alors qu'il y a eu un live. Il y a eu un live. Est-ce que y aurait un petit peu d'énervement, un petit peu de... Est-ce que le rage quit est présent? Et ouais, je n'osais pas le dire, mais du coup, est-ce que le fameux rage quit? Tout à fait. Ah. On va meubler un tout petit peu. Hein. On va passer en streaming. Hein. Pour le coup, 5v6, ça me paraît compliqué. Non, mais le 5v6, voilà quoi. Ah, du coup, alors le match serait-il déjà terminé? Alors que la modération fait son effet. Évidemment. Et présent. Ah, mais... Si à 5 contre 6 sur la dernière map, ça me paraît compromis. Non mais voilà, de toute façon, si jamais le 6ème joueur ne revient pas, une victoire par forfait en 4-0. Et voilà. On patiente. Ah, alors que ça tourne. Alors que les règlements n'ont pas été lus. On est en stream, donc on est en casse, donc évidemment on ne va pas prêter attention à ce chat, mais les modérateurs évidemment derrière feront le travail et rappelleront alors ces joueurs. En tout cas, a priori le match devrait être fini. Puisque a priori il n'y a pas de désir du côté des Canadiens de continuer, donc ça veut dire qu'ils ont abandonné. Malgré tout, un match plutôt bien disputé du côté des deux équipes. Hein. On a vu de très belles choses au début de ce match, et puis au fur et à mesure, on a quand même vu que les Los Pachos prenaient un petit peu de l'assurance sur les duels, sur les matchs, et c'est ce qui leur a permis évidemment de remporter bien cette victoire. En tout cas hein, ça bataille dans le chat. En attendant, on peut se diriger vers le vote du MVP. Alors attendez, je recherche le lien est juste là. On va juste espérer que ce ne soit pas le joueur qui se soit barré qui était MVP.
Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté du sondage. Faut juste que je trouve le bon truc, la bonne application. Évidemment. Écoute, si tu veux, Mougui, je peux aller jeter un œil moi-même. Ben, si ça te dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Il Alors, laissait bougez pas. l'histoire. On cherche ça. Ah, j'ai trouvé. Et du coup, donc pour le moment, ce serait Aou qui serait Ce en serait à tête. vous. Eh bien oui. C'est à vous avec à peu près 80% des voix. Donc. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que du coup, il y a vraiment forfait de la part des Canadian Beers ou est-ce que ça continue? Semblerait qu'il y ait un forfait, hein, vraiment. Il semblerait qu'il y ait un forfait. Oui, c'est bien forfait du coup. Ok. Et bah, du Bon. coup, forfait. Du coup, de la part des Canadian Beer, ce serait un petit peu dommage pour le coup. On aurait bien voulu voir un petit peu plus longtemps, du coup, notamment sur la quatrième map, qui aurait pu être soit. J'ai un trou de mémoire, c'est parfait. Les maps payload. Ou Dorado, bien, route il 36, me c'est semble ça. Dorado. Dorado, hein, fortement apprécié aussi. Bien oui. Eh ben, du coup, c'est Aou qui a été élu MVP, du coup. On va aller dans le général, du coup, interviewer si Aou. N'hésitez pas Allez. dans le chat à poser des questions à l'avance pour qu'on les pose à Aou. Et puis nous, on va se diriger tout de suite. À tout de suite, mon cher Lisen. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que Aou est présent? Ah où es-tu là? Oui. Bonsoir. Oui. Eh bien, il Ah, est bonsoir là. à toi. Bonsoir à toi. En tout cas, bravo du coup, Aou, tu es élu Félicitations à vous. MVP de la soirée sur ce match Los Pachos contre Canadian Beer. Bravo à toi. Du coup, bah, je vais laisser l'honneur à Lizen de te poser la première question, s'il en a, bien évidemment. Très bien, bien sûr. Eh bien, première question, toute bête, hein, une question qu'on pose quasiment à chaque fois. Comment étiez-vous préparé pour ce match? Est-ce que vous avez beaucoup tryhard avant? Est-ce que vous êtes venu un petit peu tranquille? Vous vous êtes dit, ouais, on avait un gros avantage. Comment vous êtes préparé? Ben on se prépare comme pour toutes les équipes, on nous scrime normalement et puis on applique nos strats. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on revoit et on avise. Ok, et bah justement en parlant de strat, il y a quelque chose qui nous a beaucoup étonné au cast, c'est que du côté des deux équipes sur la map Temple de Busan, vous avez aligné une Reinhardt Roadhog. Et bah, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors, est-ce qu'il y avait une strat de prévu? Quel était un petit peu le plan de jeu derrière cette composition? Là, c'était un peu plus compliqué. C'était par rapport au teamplay de la première map, ça allait pas, donc fallait trouver quelque chose qui marche et on est parti là-dessus. D'accord. Juste, voilà, vous l'avez senti comme ça et c'était parti. En Ok, tout cas, ok. vraiment propre. Vraiment propre ce soir. Les Los Pachos se sont vraiment bien battus face au Canadian Beer. Et vous avez fait des belles remontées, hein. Notamment, j'en vois sur Busan où c'était pas forcément acquis de suite. On était proche des 99%, je crois, sur la dernière map, je crois, sur base méca, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et vous avez su récupérer le point et le faire monter vous-même à 100%, du coup, pour récupérer ce dernier point. C'était impressionnant. Et du coup, dans quel état d'esprit, du coup, étiez-vous? À ce moment-là, sur le 99%, Oui. comme j'ai dit, c'est pareil que pour la deuxième map. On avait un problème sur le teamplay, du coup, fallait trouver. Il n'y a pas eu de panique ou quoi que ce soit. C'est. Non, on a. De rester calme et de se concentrer un peu plus sur nos focus. Et c'est ce qui a eu l'air de faire la différence. Bon, en tout cas, c'était très propre de votre part, hein, bien évidemment. Lisanne, as-tu une autre question? Oui, on a vu une magnifique duel de snipers ce soir, hein, Ah oui. notamment entre toi et Saz, ou entre toi et. Ah, je ne sais plus quel était le premier sniper de la game, mais. Eh bien, tu as quand même pas mal dominé les duels. Alors, voilà, comment tu as fait? Est-ce que ça s'est surtout joué au skill? Est-ce que tu avais un petit peu.
des idées, est-ce que tu es un peu rentré dans le cerveau des adversaires, comment tu t'es débrouillé pour un petit peu remporter ces duels de sniper? Alors là, je serais même pas à vous répondre, hein, parce que je joue à l'instinct, Très donc bien, très bien. Bon, est-ce que, enfin, en tout cas, est-ce que ces duels, tu les as approchés confiants, ou est-ce que, eh Non. bien, ça se faisait... Ok. Non, il y avait quand même, une bonne widow en face, ça c'était quand même assez costaud. Et il fallait faire attention et pas y aller non plus en étant sûr de rentrer le headshot avant lui. C'était pas possible. On t'a vu souvent flex aussi entre Widow et Hanzo. Alors, est-ce que c'était suivant les situations? Est-ce que c'était suivant comment tu te sentais? Ça dépend en fait. C'est soit je pars sur Widow parce que il y a besoin de test une Widow et dans ce cas-là c'est moi qui vais le faire. S'il y a besoin d'un peu plus de dégâts, dans ce cas-là je passe sur Hanzo et ça sait faire le taf. Ok. Enfin, dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil à n'importe quelle personne qui voudrait eh bien, se mettre à jouer, par exemple Hanzo ou Widow, celui que tu préfères. Pour les deux, il y a juste à jouer et continuer de jouer avec ça vient tout seul. Ok. Merci beaucoup. Mogi, aurais-tu peut-être une dernière Alors, question? je reprends la question du chat. Ah. Que penses-tu de Zelos? Bah, c'est un très bon healer. C'est mon healer, normalement, si je me trompe pas. Oui. A priori. Du coup, voilà, c'était la question du chat. Merci, le chat. Ouais, Alors oui, c'est vrai qu'il y en a une autre au-dessus. Alors, je vais essayer de te la formuler du mieux que je peux. Voilà, c'est pas forcément facile. L'un de nos modérateurs, du coup, est intervenu sur le chat ce soir et du coup, il a sorti une citation sur le fait, comme le dirait Emong. Je me sens super intelligent quand je joue Rod parce que je peux faire un meilleur ult tracking grâce à mon feeding. Qu'as-tu à dire sur cette phrase du coup? c'est absolument vrai. Yes, bien joué à toi. Faut la sortir cette phrase. Bah du coup au niveau des questions ça a l'air d'être bon. Même pour moi, du coup, bah merci à toi du coup d'avoir pris Merci du temps pour beaucoup. cette petite interview. Du coup, GG encore à ton équipe du coup pour cette Félicitations. victoire. Et Et merci puis, à vous. bah, souhaites-tu faire une petite dédicace avant de nous quitter? Ah oui. Oh, non, pas spécialement, non, ça ira. Tu n'as pas un Allez. VTT à remercier, parce qu'hier soir il y a eu un VTT à remercier, donc tu n'as pas un vélo, un VTT, une bicyclette Non, peut-être? non, 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 ça ira. Très bien. Et bien, en Eh tout bien, en tout cas, cas, merci à toi. oui. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Et bonne De même. suite de Justice League. Bonne continuation pour ton équipe. Et ben du Yes. coup, nous, bah, pour le cast, du coup, ça se termine maintenant, du coup, sur la victoire 4 à 0, du coup, avec une petite victoire par forfait pour les Lost Patchos, du coup, on va, entre guillemets, voilà. En tout cas, un 3-1 bien appuyé, et après, effectivement, dommage. Mais oui, une belle victoire quand même. En tout cas, ouais, une belle victoire. Du coup, pour ce qui est de la suite, sinon on devrait se retrouver demain, normalement, sur un match. Alors, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Normalement, c'est demain à 16h, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Demain à 16h, du coup, il y aura un cast qui sera donné par Lizen ici présent, bien Yes. évidemment, accompagné de Gandhi. Voilà, donc demain vous pourrez retrouver les Oméga contre la Légion Pandarienne 2 à 16h. Donc voilà pour ce qui est du prochain cast. Et quant à nous, du coup, on se dit du coup à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux casts. Lizen, as-tu un petit mot de la fin? Eh bah, merci d'avoir suivi ce cas, j'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, comme le disait Mougi, moi vous me retrouvez demain. Donc eh bien à demain. Et merci d'avoir suivi ce stream. Et oui, hein, bien évidemment, on n'oublie pas de remercier Hydre aussi, qui était à la caméra ce soir Ah, bien aussi. sûr. Bien évidemment, merci aussi à Merci, toi, Lizen, Hydre. de m'avoir accompagné sur cette soirée. Et puis, pour nous, on se dit ciao, ciao, bonne soirée à tous, à bientôt. Salut, salut. Tchuss. Des bisous de la régie. Ah.